Bonsoir Maxime. Bah, je suis un magicien. Et je pense que je dois vous faire un tour. Ouais. Fais apparaître un bon GPA. Ah, ça, je suis pas capable de faire apparaître du chocolat comme ça. Mais excuse-moi, j'ai pas entendu. Mais je fais des tours de cartes. Donc je vais essayer de vous impressionner, hein, si possible. Y a quelqu'un dans le public qui est intéressé pour monter? Justine. Un tonnerre d'applaudissements pour Justine, s'il vous plaît. Donc je vais commencer par des tours, disons, faciles. Et après, on va essayer d'augmenter en gamme pour vous faire kiffer un peu. Donc on va commencer par un tour d'abord de manipulation. Il y a vraiment une différence entre de la manipulation et de la magie. La manipulation, c'est je triche avec mes doigts. Et la magie, c'est il y a un trucage. De toute façon, il n'y a rien de magie dans la magie. Donc je commence par de la manipulation, j'espère que vous allez l'avoir ou pas. Et après, je passe tout de suite sur de la magie. Tu vas me dire stop quand tu veux. Je balaye les cartes comme ça. Justine me dira stop quand elle veut. Et le tour commencera. Stop. Vas-y, je t'en prie, prends la carte. T'aurais pu t'arrêter un autre moment. C'est bon? Tu la regardes, tu veux la montrer à tout le monde? Ne me dis pas la carte. Du coup, Justine, je pense que c'est le roi de cœur, c'est ça? Ah, incroyable. Oh non, je sais très bien. Tu remets la carte où tu veux dans le paquet, ok? Où tu veux, prends le paquet carrément. Maintenant, je vais sortir un autre paquet, un nouveau paquet. Et je vais utiliser un peu de feu. Donc je vais ouvrir le paquet et je vais utiliser le briquet pour essayer d'avoir un lien entre la carte de Justine et ce qui se passe dans ce paquet. Wow. Là il y a une carte qui vient de devenir rouge dans ce paquet bleu. Je vais faire encore une fois la même chose. Ok, il y a deux cartes rouges dans ce nouveau paquet de cartes. Donc on a bien un nouveau paquet de cartes parce qu'on voit que le jeu est totalement trié. J'espère que ça se voit. Et maintenant Justine, tu vas essayer de... Tu vas faire remarquer au public qu'il y a bien deux cartes rouges dans ce paquet. Je vais prendre la carte rouge. Donc ça c'est la première carte rouge. Est-ce qu'il y en a une deuxième, Justine? Ah bon? Ah, voilà. Elle revient en arrière, revient. Allez. L'as donne toujours la couleur. Est-ce que c'était un pic, Justine? Oui. Oui. Merci, merci. La deuxième carte donne la valeur. Est-ce que c'est un 8 de pique? Oui. J'ai un deuxième tour, Vous pouvez applaudir Justine, s'il vous plaît. Le deuxième tour est plus en close-up, parce que je peux pas le montrer à tout le monde comme ça. Donc est-ce que je peux venir dans le public sur les tables de devant? Ouais, vas-y.
Donc on va essayer de jouer énormément sur l'aléatoire et je vais utiliser les trois personnes devant moi. On est d'accord, vous n'êtes pas du tout complices. Hein. Quand même. Vous êtes du BDA. Je vais étendre les cartes partout sur la table. Et le but, c'est que vous trois vous concertez pour prendre la carte que vous voulez, vous l'extirpez sans la regarder sur le côté de la table, s'il vous plaît. Alors, pour choisir cette carte au hasard, vous allez d'abord choisir plutôt une zone. Donc toi, tu vas choisir une zone entre là, là et là. Donc il y a trois zones. Celle-là, ok. Tout ça, on vire. Donc maintenant, tu vas faire exactement la même chose. Cette zone-là, c'est en extérieur. Si c'est toi qui choisis, hein, moi je m'en fiche. Ok. Et enfin, le dernier, tu choisis la carte parmi ça. Il n'y a pas de complice, hein, je vous promets. Je les ai pas payés. Tu la laisses ici. Alors en fait, avant de venir ici, j'ai retourné une unique carte dans ce paquet. Et ça serait incroyable que la seule carte qui est retournée dans ce paquet est en rapport avec la carte qui a été prise au hasard ici. En rapport, non, là ça sera la même exactement. Et ça serait dingue, je pense. Après, je suis pas sûr, mais ce serait pas mal. Qui sait? Quelqu'un peut me tenir le micro? Salut à tous, on attend le résultat avec impatience. Spoiler. Est-ce que par hasard cette carte aura pas été le matchball? Bah allez, regarde. Mais non! Et c'est bien la bonne. Merci beaucoup. C'est quelqu'un le fort, on l'a vu en coulisses avant et j'ai rien compris. Merci. Maintenant, on va accueillir un grand orchestre, l'orchestre du talent.